fatigué et de faire exploser Martina Hingis avec sa lourdeur de frappe, sa précision, sa longueur de balle aussi. Et incontestablement, même si toutes ces deuxièmes ne sont pas attaquables. Sacré deuxième coup droit. Et bien servi, l'un des très gros. La nouvelle ace, elle a écarté une balle de break. De toute façon, rien ne passe pas pour ne pas être agressé. Essayer de servir en variant, surtout servir long en deuxième. Donc défaut en longueur, 23h01 sur notre site internet. On s'en préfère, il a répondu. C'est évidemment... Et il n'a pas été le seul à le donner, mais il a été le plus rapide. Navratilova face à Pete. Elle a joué seulement deux tournois avant celui-ci. Alors que la saison a commencé depuis presque trois mois maintenant. Et oui, balle de break pour Lindsay Davenport. Et bon service sur le corps. Bien enchaîné derrière. Une fusée qu'elle délivre comme un métronome. Magnifique! Quel point pour sauver cette... Connu face à cette revenante, et donc on a tout intérêt à essayer de faire le break le plus rapidement possible. Superbe, en règle générale plus court, Davenport qui aime jouer sur trois coups de raquette, alors que la française Amélie Mauresmo aime faire travailler l'adversaire. Moins de fautes directes que son adversaire. Les points, les fautes sont du côté de Davenport. Malheureusement pour l'américaine, elle n'est pas parvenue à faire suffisamment de points gagnants. Différence. Et Rick Hingis a toujours été une excellente comptable. Mais il n'y avait pas meilleur qu'elle. Hein. Peut-être Chris Evert justement à sa grande époque. Quel point là encore. Excellent. Et tout de suite on sent la différence. Lorsqu'elle parvient à jouer... Maria Sharapova à Tokyo. Tout simplement parce que les points de bonus cette année sur la WTA ont disparu. Ce que je trouve pour ma part assez injuste. Même le nombre de points remportés qu'une joueuse comme Anna-Lena Grönfeld qui a battu aujourd'hui Maret Anni, l'Estonienne. Et c'est pas du tout la même valeur de victoire. C'est donc assez regrettable. Le troisième. Je sais pas quoi vous répondre, Frédéric. C'est bien la première fois. Ouais, non, je sais pas parce que en même temps Martina Hingis revient. Elle... Oui, bien tenu sur un retour. Et c'est trop faible en deuxième. Il est rentré franchement dans cette. Yeah.
bravo. Une faute de plus. Bravo à Martin Hingis, effectivement, qui inflige 6-3 à Lindsay Davenport. Un seul break, mais tenu par Martin Hingis et jusqu'au bout. Elle s'impose dans cette première manche, la numéro 32. Le break de Martin Hingis, même s'il paraît parfois insuffisant. Et rendez-vous compte, 18 fautes directes. Super, en bout de course. C'est vraiment un jeu parfait pour Davenport qui n'avait jamais... Sur le premier point, la balle de Davenport et des fautes en retour. Il a déjà fait l'étonner. Et elle enfonce le clou. Davenport, elle a bien raison. Oui, un énorme point. Oui. Davenport. Voilà, il a été lâché celui-là. C'est son deuxième. D'accord. Alors l'une des joueuses a pour nom. Ah non, ah non, non, si. Non, ça c'est trop long. On a traversé un petit peu comme avec le plasme cette deuxième manche. Martin Hingis ne s'est jamais remise de ce mauvais jeu alors qu'elle venait de débreaker pour la petite minute 2-1. Très mauvais jeu à 2-1 avec aucune première balle et derrière ça a été l'avalanche. Égalisation à un moins bon pourcentage de première pour Martin Hingis. Cela se paye comptant. Et puis plus de points gagnants désormais pour Lindsay Davenport, moins de fautes. Superbe. Et puni sur la deuxième. Oui. C'est vraiment un... Magnifique, super. Magnifique. Dans un premier temps, il y avait beaucoup de mobilité chez Hingis. On fait ce qu'on veut de vous, alors, finalement. Oui. Oui, bien écarté. Alors, on sait simplement que Pete Sampras, recordman, rappelons-le, de victoire en tournoi du Grand Chelem dans toute l'histoire, du tennis, 14 victoires pour Pete Sampras, a des fourmis dans les jambes. Il va rejouer au tennis, mais... Dans ce désert californien. Et Pete Sampras a donc déclaré que s'il revenait juste comme ça, confidentiellement, il n'avait aucunement l'intention de s'aligner chez les professionnels, ni en simple, ni même en double.
Courtney Inglis, l'américaine numéro 4 mondiale, au service dans cette dernière manche. 6-3 pour les... De nouveau, avalanche de fautes pour David. C'est comme ça qu'il avait qualifié Pete Sampras. Cool as a cucumber. Lors de la première victoire de Sampras à l'US Open en 90. Terrible quand cette balle envolée liftée en dessous du niveau du filet en plus. Ça passe ou ça casse en ce moment, c'est un tennis coup de poker. Magnifique. La ligne. Une jambe de la part de Davenport ici sur ce dernier service. Encore un match tenté par l'américaine. Oui. Eh bien ça paye, elle s'offre un sursis. Davenport au service pour rester dans le match. Elle est menée 5-2. C'est long. Fait. Victoire de Martina Hingis qui confirme la grande joueuse qu'elle n'avait jamais cessé d'être mais qui était en sommeil pendant 3 ans et demi et qui s'invite au festin des quarts de finale. Martina Hingis qui bat Lindsay Davenport, elle s'offre la numéro 4 mondiale pour la deuxième. Battu Martina Hingis en deux manches, Kim Clijsters, ce fut en 3-7 lors de l'Open d'Australie. Les statistiques sur l'ensemble de la rencontre.